On est parti à peu près une distance de 20 km, donc on est parti de Dorsau et on a marché jusqu'à Montlignon. L'objectif c'était d'arriver pour la Virgile Pascale à 21 h, donc on est arrivé à 20 h 30, c'était parfait. Et alors, vous connaissiez Montlignon avant de venir pour ce dimanche pascal? Oui, tout à fait. J'étais venue faire un CEP, c'est une formation chez les SUF, les scouts. J'avais eu aussi l'occasion d'inscrire mon parrain, voilà, donc au niveau de la communauté pour qu'on puisse prier pour lui. Alors, l'inscrire, il faut vous expliquer qu'est-ce que c'est Ouais. inscrire un parrain. Je sais pas trop comment expliquer. Donc c'est-à-dire qu'en fait, on peut inscrire nos proches ou des personnes qu'on connaît de près ou de loin. Au registre du sanctuaire, ce qui permet en fait que tous les jours lors de la messe, on va prier pour eux. Et donc ça, c'est quand même très fort de se dire que tous les jours, quelqu'un prie pour ses proches. Et donc là, étant donné que c'est mon parrain, ça me tenait encore plus à cœur de l'inscrire. Et ça a permis, voilà, d'aider aussi d'autres personnes de ma famille à surmonter ce deuil, ou en tout cas à mieux le vivre. Ah, alors il faut que vous racontiez pourquoi est-ce qu'on inscrit une Ah. personne à la messe perpétuelle, hein, c'est de ça dont vous parlez. Oui. C'est quoi les raisons, là, vous parlez d'un deuil. Oui, en fait, étant donné que voilà, mon parrain était décédé dans des situations enfin, un petit peu délicates suite à une maladie, c'était voilà, il y a notamment ma grand-mère qui portait un peu le deuil pendant quelques années. Et le fait de l'inscrire, je lui ai partagé ça par courrier, je lui ai fait une lettre pour lui dire. Et un matin, elle s'est réveillée et elle a eu la révélation de comprendre que ça y est, mon parrain avait rejoint le paradis, donc c'est quelque chose. Alors, vous me parlez d'une lettre, cette lettre, vous l'avez envoyée à votre parrain, finalement. C'est ça, finalement, un petit peu. Disons qu'en fait, la représentation qui était derrière cette carte, c'était un malade qui était dans un lit avec la Vierge qui venait justement le rassurer, ou en tout cas l'emmener avec elle. Donc, c'était une image très forte que ma grand-mère a prise personnellement pour elle et qui lui a permis voilà, de souffler un peu et d'être sereine. Donc à Montlignon, on est en relation avec nos morts, vous pensez? Ah, complètement. Pour tout vous dire, moi j'avais commencé le scoutisme un peu pour ça, à la base, pour justement retrouver une connexion avec mon parrain, qui est finalement mon lien avec Dieu. Et c'est à travers ce dialogue-là que bah, voilà, ma route a fait que je suis arrivée à Montlignon. Et Montlignon bah, voilà, m'a permis de comprendre, voilà, en parlant notamment à Dom Pierre, m'a permis de comprendre qu'éventuellement j'étais peut-être la clé qui permettait d'aider mon parrain, en tout cas, à avancer. Alors, bah, moi, je ne suis qu'un messager, je ne suis que de passage, mais voilà, si ça a pu aider ici ou là-bas, c'est tant mieux. Donc, la mort change votre vie? Oui, je pense. Ça nous bouleverse parce que finalement, on est impuissant face à la mort. On ne peut rien y faire, elle arrive quand elle arrive. Et voilà, c'est pas toujours prévu, c'est pas toujours comme on le voudrait. On a toujours, bah, pas forcément des regrets, mais on a des envies de faire mieux pour nos proches. Donc ça nous rapproche aussi de Dieu. Et voilà, la mort, finalement, c'est une forme de cadeau pour aussi rejoindre l'éternel. C'est pas quelque chose de triste, forcément. Au contraire, même parfois, ça peut souder une famille. Alors, vous êtes parti hier de la région parisienne, c'est ça? C'est ça, oui, là où nous faisons nos études. Qu'est-ce que vous pourriez dire à quelqu'un qui se pose la question de faire la même chose? C'est quoi les moments marquants depuis hier dans votre vie jusqu'à aujourd'hui à Montlignon? Alors, bah, étant donné qu'il y a eu tout le carême, toute la préparation quand même, jusqu'à cette belle fête de Pâques, on a eu le temps quand même de réfléchir sur ce qui s'est passé, la mort du Christ, la passion. Et donc, ce qui s'est passé hier, c'est que le Christ était donc mort, était aux ténèbres. Et là, on allait passer à la lumière, donc le soir. C'était beau de faire cette marche jusqu'à la nuit, en fait, d'arriver dans les ténèbres, littéralement, et de ressortir aujourd'hui bah, dans la lumière. Donc, c'était aussi, dans la forme, c'était aussi quelque chose qui était marquant, le fait de faire cette marche de nuit et d'arriver comme ça et de passer au jour. Vous parliez de votre futur métier, donc vous êtes étudiante en commerce, peut-être un métier où il n'est pas facile de faire le lien avec sa spiritualité. Comment vous répondez à ce questionnement dans votre métier? Vous m'en parliez tout à l'heure. Alors c'est vrai que parfois ça peut être difficile de faire le lien entre son métier et sa foi, mais justement je pense que dans chaque métier on peut trouver un sens quand même. Il faut qu'on soit en accord aussi avec son métier, avec les valeurs qu'on prône et qu'on transmet aux autres. Et en tout cas, moi, ce que je trouve beau dans les métiers commerciaux,
c'est quand on est sur le terrain. Moi, j'ai besoin d'être sur le terrain, justement, de vivre les choses au cœur, d'être au plus près des personnes qui vont justement acheter ou avoir besoin de conseils. Donc c'est vraiment ça, c'est donner du sens à son travail en se disant qu'en fait, on est là pour aussi partager aux autres, partager ce qu'on vit. Moi, je travaille dans le secteur de la randonnée, justement, donc étant donné que je vis ces pèlerinages, quand je parle avec quelqu'un, en fait, il va me partager ses expériences et moi aussi. Et c'est cet échange-là qui va mener à un conseil de ma part sur un projet. En fait, les personnes qui viennent me voir ont un projet. Et donc finalement, c'est d'essayer de les aider avec le peu de vécu que j'ai, les petites expériences. Et donc c'est comme ça que je donne aussi du sens à mon travail, même si bien sûr, il y a des éléments où on n'est pas toujours 100% d'accord avec. Donc dans votre métier, on peut goûter à l'esprit du pèlerinage sans forcément être totalement croyant. Complètement, complètement. D'ailleurs, on ne sait pas, les personnes quand elles viennent me voir, elles ne savent pas si je suis croyante ou pas. Et inversement, je ne sais pas si elles le sont ou pas. Évidemment, c'est dans l'échange qu'on se rend compte parfois, quand il y a des mots-clés, pèlerinage ou scout, on se rend compte en fait s'il y a une dimension spirituelle ou non. Mais même s'il n'y en a pas, en fait, justement, à travers mes expériences à moi, moi je vais donner ces mots-clés, sans dire forcément, sans proposer de le faire. En fait, je vais partager quelque chose que j'ai vu. Et ces personnes, même si elles ne sont pas croyantes, trouvent ça fantastique et ont aussi envie de vivre ça autrement peut-être, mais en tout cas cheminer vers quelque chose, peut-être un jour rencontrer Dieu.